Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et la magie Noël existe bel et bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 38 de notre aventure sur Days Gone et comme on dit, préparer un petit chocolat chaud, c'est très sympa, un petit chocolat chaud ou un petit café, tiens, on est parti pour une bonne demi-heure ensemble. Installez-vous confortablement, mettez en 2K 60fps si vous le pouvez et c'est parti direction le No Man's Land, à tout de suite. Allez, on est de retour et cette fois-ci, il faut rouler direction le camp de Lost Lake. Et quel plaisir de retrouver, mine de rien, ce Days Gone. Malgré un épisode 37 très compliqué, on a failli lâcher prise. Mais comme quoi la magie de Noël existe bel et bien. Nous revoici donc sur le jeu. Et par contre, soyons francs, toujours aussi sublime pour de la PlayStation 4. Pour le coup, ça ne met pas toujours autant. Et ça, c'est incroyable, ça aussi. Ça aussi, finalement, je pense que c'est la magie de Noël. Et direction donc le nord. S'il ne se passe rien sur la route, j'ai envie de vous dire. Ça fait Boozer, Ricky et Iron Mike. Je peux pas sauver ça. Je peux pas les sauver. Je peux les sauver. Allez, il faut donc. Je suis désolé. Allez. Pardonne-moi ça. Les sauver. Mais j'abandonnerai pas. Ça risque d'être hardcore ce qui va se passer. Je reviens pas te chercher. Hop, dégage. L'autoroute de Centième. Elle est dégagée maintenant, ouais. C'est plus rapide. Tout va bien se passer, mon Deacon. Déstresse. Tout va bien se passer, je te dis. On va largement arriver à temps. Oh, il y avait quelques nids, mais de toute façon, on reviendra pas au sud. Je pense jusqu'à la fin du jeu. À mon humble avis, il faut aller sauver tous les frérots. C'est par là. Vers le nord. Déstresse, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Écoute, merde. Alors, pas moyen d'être. Quoi? Non, c'est pas vrai! Putain, je voulais parler de Noël! Oh, j'en prends plein la gueule. Ok. Alors, bah c'est très embêtant. Eh ben, il est plutôt résistant celui-ci. Il est plutôt résistant. Dis donc, qu'est-ce qu'on a là? Très très bien. Forcément, hein, ça serait beaucoup trop simple. Voilà. Ça serait beaucoup trop simple s'il y avait... Voilà, pas d'ennemis hein, sur notre route. Et évidemment, j'espère que ma moto, elle va bien. Et ben voilà. Eh, ne visez plus jamais... Aïe! Ne tirez plus jamais avec une chichi. Voilà ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler cette arme la Chicago. Simplement parce que c'est grave stylé comme nom, je trouve. Allez, monsieur. Monsieur est résistant, je peux comprendre. C'est une armure de catégorie 8. Et joyeux Noël! Oh, un petit point de compétence. Ça, c'est la magie de Noël, ça dégage. Bon! Oh non, mais c'est pas vrai! Attendez. On est où là? Oh! Attendez, hein, j'ai besoin de me concentrer. Je voulais juste parler de Noël à la base. C'est parti en couille trop vite. Ouais, mais c'est pas vrai, hein. Quoi? Il m'a décapsulé. Ok. Ni plus ni moins, une balle, c'est amplement suffisant. Oh là là, ils sont tous en armure, frérot. Ils sont très chers encore. C'est bon, gros, t'as plus d'armure là, faut faire un effort maintenant. Et ben voilà. Et ben voilà. Attendez, bougez pas. Bougez pas, toi je vais te faire à l'aise. Quoi? Voilà, je préfère. On peut avancer maintenant? Sans se retourner? Prouver qu'on existe? Quoi qu'il arrive! J'espère... Oh là là, vous êtes chiants, les gars. Je peux souhaiter de bonnes fêtes aux gens. La politesse, s'il vous plaît. Allez, j'arrive. Dégage. C'est pas vrai.
on va pouvoir enfin parler un petit peu de Noël. Pourquoi? Parce que cette vidéo sort le 25 et elle est enregistrée le 24. J'espère que vous avez passé, pour tous ceux qui souhaitent Noël, un très bon réveillon et une très belle journée de Noël. Je sens que vous êtes tous très très bons en ce moment et ça, ça fait plaisir. Gardez votre joie, votre bonne humeur, que vous arrivez à communiquer à travers mes live Twitch, MrBboy45 sur Twitch, hein, évidemment, n'hésite pas, tout au long de l'année. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas passé Noël, bah, j'espère quand même que vous avez passé ou que vous passez de très bonnes vacances pour l'instant. Moi, vu que c'est enregistré le 24, bah, je peux pas vous dire ce que j'ai eu à Noël. Vous le saurez donc en live. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez eu sous le sapin. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir. Et discuter tous ensemble aussi. Parce que c'est ça, la magie de Noël. C'est discuter, partager de l'amour, des bisous. Hop, les cadeaux, ça peut aussi être bah, de l'amour, tout simplement. Hop, ça en prend, hein, évidemment. Allez, on monte sur la bécane. On est parti! On y va! C'est ça aussi, Noël, c'est sauver tout le monde. Attendez, tiens, on va passer par... c'est quoi, ça? Ah oui, d'accord. Les gars, tout va bien ou... Ok, bah, je prends, ça me gêne pas. Hein. Beaucoup de choses à fouiller et tout, c'est plutôt cool. Non, c'est pas vrai. Aucune idée d'où il est. Frère, c'est un fantôme, les gars. Alors... Ok, donc c'est une phase obligatoire, vu qu'il faut pousser... le véhicule, et eh ben c'est pas grave. On va le faire sans aucun problème. Je pensais que le chemin allait être un petit peu plus safe. Alors, je sais pas combien va y avoir d'avant-postes comme ça sur la route, mais ça risque d'être terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Regardez-le. Non, je me suis pas barré. Regardez-le. C'est ça la magie de Noël. Il est aveugle. Allez, dégage. 3 balles, expéditif. Je veux plus entendre parler de toi. Tiens, on va le fouiller celui-ci. Oh! Attends, une M4 de niveau 3. C'est incroyable ça. Meilleure précision, moins de dégâts par contre. Hop, ça dégage, je prends pas. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est les damage que je vise, ok? Moi, je vise l'excellence en cette douce journée. C'est pas vrai, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a. Alors, évidemment, c'est pas là pour rien, vous le savez. Enfin, en tout cas, on s'en doute tous. Ça reste incroyable. Non, attendez, c'est totalement dingue. Ok. Eh ben, vous savez quoi? On va en fabriquer. Non, mais je suis un connard. Je suis un putain de connard. Excusez-moi, faut pas s'insulter comme ça. Surtout pas à Noël en plus, qui plus est. Vous savez quoi? Ça va être une vidéo très positive. Il n'y aura que du bonheur ici à partager. Hop, voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, que vous vous êtes bien dévasté et surtout que vous avez partagé des moments entre amis, en famille. Mais l'important, c'est partager tout de même des bons moments. Et ben voilà! Moi, j'ai partagé un très bon moment avec le moteur. C'était du 6 cylindres en ligne. C'était très sympa. Moi, j'ai passé un bon moment là à partager avec cette voiture. Et ben voilà, je reconnais. C'est la merde. Oh, bah attends, eh non, eh gros, toi tu fous de la gueule du monde, hein. Ça dégage. Lui, il s'est foutu de la gueule du monde. Oui, bah, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ok, bon, de toute évidence, il va y avoir un avant-poste tous les 8 mètres, à peu près. Ok, et ben on va se la jouer un petit peu grenade. On adore les grenades. Oh, quoique, même pas besoin en vrai. Et ça va, mec. 50 cents, frère, calme-toi. Enfin. Pas normal que la magie de Noël opère sur des méchants quand même. Wow. Allez, dégage. Je peux entendre parler de toi. Brûle, enfoiré. Ok, expéditif. Bon, on va vider le camp. C'est terrible, hein, tout ce qui se passe. Hop, ça s'est fouillé très rapidement. C'est terrible, tout ce qui se passe. Ils sont partout, dans nos rivières, dans nos campagnes, dans nos montagnes. C'est incroyable. Je pensais pas que ça allait être aussi, tu vois,
pris de court, je me suis dit, attends, putain, suite de Days Gone, ça va être ultra chill et tout. On a déjà fait prendre notre part, ils vont poser un peu le jeu. Mais que nenni, qu'est-ce que c'est que ça? Une bombe télécommandée, mais dis donc. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on a là? Ok. J'arrive pas à passer une porte. Ah oh, la vache. Je vais tout faire péter. D'accord, d'où la bombe télécommandée. Somme toute logique. Ouais. Ouais. On va en France. Ça devrait le faire. Voilà. Hop, voilà. Alors attendez, parce que. Je suis débile ou les gars? Je suis totalement débile, c'est pas possible. Bah tant pis, je vais tout faire péter. Attends, je suis totalement en con. Attends, on va faire à l'ancienne. N'importe quoi, j'arrive même pas à la faire exploser. J'ai appuyé sur toutes les touches. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je sais que j'ai un point de compétence. Calmez-vous, je garde ça pour sous le sapin. Hop, on prend aussi ça. N'importe quoi. Mais pourquoi le... C'est bizarre. Très bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Ok, on va ramasser ça. J'étudierai ça un petit peu plus en profondeur au moment le plus opportun. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... un petit peu embêtant ce qui vient de se passer là, cette situation. C'est incroyable tout ce qu'il y a, dis donc. Ça, ça sent une fin de jeu, je te le dis, mon pote. Hein. Allez, go. On est reparti cette fois-ci. Incroyable. On va jamais y arriver à ce point de Lost Lake. Oh putain, il y avait... Les gars, j'ai un problème mental, en fait. C'est quoi? J'arrive même pas à conduire droit. Non, il y a un bail. Ouais! Calme-toi, Deacon. Là, t'es en train de Deaconner. Ok, on va passer par ici. Désinfecté maintenant, peut-être, non? Non, ça va. Ça va, c'est... Non, il y a un problème. Les amis, il y a un problème, je sais pas d'où ça peut venir. Ok. Hop, ça, on prend. Non, non. Voilà, une munition, hein. Ça valait le coup. Ok. Hop, voilà. Y'a rien qui va dans cette vidéo, mais c'est ce qui rend le truc drôle, en fait. Mais qu'est-ce que... C'est quoi? Alors, j'ai changé tout mon setup, c'est peut-être ça, je sais pas. De toute façon, peu importe ce que je dis... Oh la vache! Putain, je pensais pas que c'était aussi expéditif. Allez, dégage, hein. Moi le temps. Voilà. C'est bon? Et toi, frère, Ah, vache! Calmez-vous! Ça c'est de la traîtrise. Hop, ça dégage. Bon! C'est ultra violent là tout ce qui se passe, c'est pas vrai! Calmez-vous tous! En tout cas, c'est sympa, ils ont pensé à mettre des petits trucs de kérosène un peu partout. Ah bah, ils pensent à moi. Ils se doutent que je vais passer, alors ils se disent: attends, les gars, on va le régaler. Ça serait dommage. Ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Hop, et tiens, hop. Toi, t'es fouillé. Et toi, t'es fouillé! Donc comme je vous disais, j'ai totalement changé mon installation. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Vous aurez plein de photos très très cool. Et vous aurez normalement, si tout va bien en 2020, je sais que ça fait des années que je vous promets ça, mais si tout va bien, vous aurez une vidéo setup. Et ça, bah putain, c'est cool. C'est très très cool. Vous pourrez enfin voir le bureau dans lequel j'enregistre, je stream et je fais aussi plein de tas de bonnes choses. Comme des soirées avec des potes, évidemment, n'allez pas sous-entendre d'autres choses. Attendez, je vous vois arriver. Allez. Bon bah, la magie de Noël, elle est très sanglante, hein. Peut-être enregistrer un Days Gone en parallèle, quand même, hein. Pour apaiser un peu tout ça. Allez, on bombarde. Bowser, t'es là? Réponds. Boseman, réponds. Nick, ouais. Il est là. Il a dit, on met les blessés à l'intérieur. Bowser. Nick. Frangin, on aurait bien besoin de toi par ici. Emmenez-les à l'intérieur. Bouge, bordel, bouge. Merde, attention. J'arrive, Bowser.
Je suis presque là. Schizo, Schizo, il est là, Boozer. Il vient pour toi. Ils arrivent par les portes. Allez-y, allez-y. J'y viens, Mike. Je l'attends. Boozer. Putain. Vache. Oh, je vais tout seul, dis donc. Oh, tout va très vite ici. Ricky. Quand Lost Lake, répondez. Ricky, Iron Mike, à vous. Dick, t'es vivant. Schizo disait que t'étais mort. Trouvez Schizo, putain. Trouvez Iron Mike. Hey, ils se retirent. Il peut être en retraite. On les tient, on les a eus. Où est Schizo? Quelqu'un a vu Schizo? On a réussi. Tout juste, mon pote. Faites gaffe, viens laisser pas s'échapper. Tuez les tous jusqu'au dernier. Putain, où est passé Schizo? On est un paquet à le chercher. Personne l'a vu. Eh, hey, venez, faut y aller. Vous en faites pas. On va le retrouver, cet enfoiré. Oh, Dick, tu merci, te voilà. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? C'est Iron Mike, il a pris une balle. Ah oui, un sacré balle. Hey, espèce de tir au flanc, je passais voir si... Si t'avais envie d'aller pêcher, on a un camp à nourrir. Oh. Ouais. Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Ta femme. Ouais, Mike, elle est dehors. Elle est ici. Ouais. Ouais, écoute. J'aurais jamais pu y arriver sans ton aide. Ok, bien. C'est très bien. Je veux la rencontrer. Ça doit être... une fille extra pour... que tu te donnes autant de mal comme mon Elisabeth. Ok, ok, ok. Tiens, Mike. Mike, je veux que tu prennes non. ça. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Doucement. Je me suis trompé. Non. Non, non, non. Je sais qu'on peut y arriver, Mike. Quand tu seras de nouveau sur pied, tu verras, on va pouvoir... J'ai eu tort. Fais ce que tu as à faire. Va protéger ce camp. Rick. Oui, je suis là, Mike. Je suis là. Mike. Mike. Bon, eh bien c'est fait, il s'est trompé, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais il a reconnu, c'est ça la magie de Noël. Ah merde, j'ai gâché le moment émotion, allez, j'adore l'humour. Je sais pas comment vous dire ça, mais Iron Mike est mort, et il a voulu arrêter Schizo. Quand la milice s'est retirée, vous connaissez Iron Mike. Il a essayé de le raisonner, mais... Ok. Ouais. La ferme ! La ferme ! C'est pas un éloge funèbre ! Iron Mike aurait pas voulu de ça. On n'a pas le temps pour ça. Parce que les mecs qu'on a butés aujourd'hui, il en reste encore plein. Des tonnes. Je suis allé dans leur camp. J'ai vu leur armée. Ils reviendront ici, ils vous massacreront tous jusqu'au dernier. Du moins, ils essaieront. À moins qu'on frappe les premiers. Non, non, non. Hé,
pas qu'on arrive. Mais attends, hey, silence. Fermez-la. Écoutez-le. Iron Mike lui faisait confiance, alors vous devez lui faire confiance. Non, 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 désolé, tu sais quoi, je peux pas. Je suis pas Iron Mike, je suis un putain de drifter. C'est vrai, la route est là. Non, je veux pas me barrer, regarde-moi, écoute. Trouve Boozer et dis-lui de me rejoindre à ma cabane. Bon, j'ai trouvé ça dans un bunker de survivalistes. Attends, c'est... Ouais, ouais. Il nous faut un camion, un gros truc, genre benne à ordure, qu'on va remplir entièrement de... De nitrate d'ammonium. Ouais. On va le mélanger avec un peu moins de 400 litres de créosote. Un camion d'engrais piégé. C'est ça ton plan? Oh putain. La milice a transformé toute l'île en forteresse. Il y a des civils dans les grottes. Il y a les travailleurs et ceux qui sont jugés inaptes à servir dans ce camp de survivants. Et tu as l'armurerie... Et la garnison, qui sont à l'entrée principale. Si on frappe ici, on désorganise totalement la milice du colonel. On fait quoi pour ça? Elle est dans les grottes. C'est ce que le colonel appelle l'arche. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils vont pas buter tout le monde? Sarah et tous les autres? Rien, rien, rien du tout. Mais je pense que l'explosion va semer tellement le chaos qu'il... Je peux entrer, la retrouver et sortir avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Écoutez, il est plus seulement question de Sarah. Le colonel a déclaré la guerre à chacun de nous et il a toute une armée derrière lui. Iron Mike et les autres, ce sont que les premières victimes de cette guerre. Et elle s'annonce courte, à moins qu'on les frappe les premiers. J'ai pas dit que c'était un bon plan. Non, il est même plutôt merdique. T'es avec moi, frérot? Oh. Je veux pas louper ça. D'accord. Mais on n'y arrivera pas tout seul. Ok, d'accord. Si d'autres veulent nous suivre, envoyez-les. Envoyez-les à la porte sud. Mm-hmm. Parce que quand ça va péter, la milice enverra ses troupes à la porte principale. Mm. Ok, il nous faudra du matos. Remontée des profondeurs, 49% camp d'Iron Mac, ça monte, Morior Invictus, trophée débloqué, Silver, on peut pimper un maximum, on débloque aussi Molotov au Napalm, on débloque beaucoup de choses hein, d'un coup, je sais pas, les gars, qu'est-ce qui se passe? Officier et gentleman, très bien. Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal en vrai tout ce qui s'est passé, parlez à Ricky, elle a 40 mètres, bah ben, vous savez quoi? On y va à pied, c'est plutôt pas mal. Le plan me plaît bien. Donc vous savez quoi? Eh ben on va l'appliquer ce fichu plan. Et puis on verra un petit peu où il nous mène. Alors ça avance? Recule. Hey Dick. Hey, c'est quoi ça? Oh, demande-lui. Bon... Un camion gros comme un char, c'est ça? Je me suis dit... Autant y aller franco. Bordel de merde. Ce truc est prêt? On va voir, Dick. Bien sûr que mettre du grillage s'arrête les balles, mais enfin... Ok. Il marche! Il n'y a plus qu'à remplir! Je sais où trouver du fertilisant! Je vous appelle quand je suis OP! Ok! Oh, j'ai peur! Oh, j'ai peur de la dinguerie qui va se passer! Il va falloir passer une horde, c'est ça? Ok! Rouler, pardon, jusqu'à Iron Butch Ranch! Alors, comment ça va? Évidemment! Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tatatatam, déjà accessoires. J'ai munitions max partout, c'est plutôt pas trop mal.
inventaire plein. On est très très bien. En vrai, on est très 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 bien. Donc c'est parti. Reste bien sur tes gardes. Mais oui, mais t'inquiète pas ma grande, je vais revenir. Enfin, j'espère revenir en tout cas. C'est avant tout ça, la magie de Noël. On y va, vous inquiétez pas, si tout se passe bien, vous avez l'épisode 39 très 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 rapidement. Hein. Cette fois-ci, il n'y aura pas deux semaines à attendre, vous pouvez me faire confiance. Parce que la magie de Noël, c'est ça aussi, c'est régaler tout le long de l'année. Comme on peut évidemment, parce qu'il y a quand même aussi Star Wars, vous êtes très nombreux à attendre Star Wars, certains sont quand même nombreux à attendre Death Stranding, même si c'est pas le jeu le plus attendu, bah il y a quand même un public, donc il faut penser à tout le monde, hein, ne soyons pas égoïstes en cette fin d'année, ça serait évidemment dommage. Et elle est où la putain, elle, c'est terrible c'est quand hein, en ce moment hein. Ok, c'est parti, 2 km, j'ai peur de ce qui va se passer, je vous dis honnêtement. Ah, j'ai oublié, oh putain de merde. Non, fils de pute. Ben oui, je suis d'accord. Sur le coup, je suis d'accord. C'est quoi le plan ? Je dis qu'on devrait trouver tout le fertilisant qu'on veut à l'Iron Butte Ranch. L'Iron Butte Ranch ? Ouais, enfin, c'est pas comme si Jesse et ses Reapers allaient en avoir besoin. En plus, c'était bien un club de golf avant, non ? Ça veut dire qu'il doit y avoir un espace de maintenance, des tondeuses et... Du fertilisant, putain, bien vu ! Ouais, je fonce sur place. Dès que la voie est libre, je t'appelle pour que Ricky et toi nous ameniez le camion. Ça marche, mon pote. Terminé. Hop, joyeux Noël. Ce soir, c'est de la biche pour tout le monde. Ouais, désolé, c'était trop tentant. Il faut que je l'aide. Hop, rien à foutre du survivant, ça dégage. On n'a pas le temps, frérot. Hein. Il y a d'autres gens qui attendent. Ok, attends, c'est encore 1,2 km par contre. T'es là les fous. Ouais, Ricky, je suis là. Je tenais à te dire, merci. Merci d'être venu nous aider. Je suis désolé d'être arrivé trop tard. Dis pas ça. On va l'arrêter. Cette ordure de schizo, on va l'arrêter, hein ? Ouais, on va l'arrêter. Je voulais te dire que je suis désolé. Ça y est. Pour ta... pour Sarah. Stop, cet enfoiré ! Il l'a buté ! Allez, dégage. Pas le temps pour vos conneries. Quelqu'un d'autre ? Je voulais te dire que je suis désolé. Pour ta... pour Sarah. J'arrive pas à imaginer ce que ça doit faire de perdre quelqu'un deux fois comme ça. Hé, je l'ai pas perdu. On est en train de fabriquer une bombe géante, je te rappelle. Allez, dégage. Tu sois là. Lost Lake a besoin de toi. Tellement bon, hey, tellement bon. C'était pas sa faute, tu sais. Oh, c'est pas vrai. Iron Mike, je veux dire. Il essayait juste de... juste de bien faire. Je sais. Terminé. Ok, bon, direction le camp des Reapers. Hop, voilà, ça arrive. Putain, la moto incontrôlable. Très bien. Dick, tu me reçois ? Oh, c'est pas vrai. Schizo, tu manques pas de cran de m'appeler comme ça. Te voilà enfin, mon pote. Écoute, il faut que tu saches que j'ai essayé de les en empêcher, je te jure. Ok, quoi ? Tirer sur le Mike, je veux dire. Et je voulais pas que ça se finisse. Le colonel va pouvoir les dégager. Je rigole, les gars. À couvert. Oh. Attends, y'a un mec en tondeuse à gazon ou quoi? Attends. C'est pas vrai. Ok, tout le monde est mort d'un coup? Incroyable. Ouais, dites-lui que j'arrive tout de suite. Capitaine, on croit qu'il faisait chaud pour travailler à tout le monde. Oh là 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 là, j'ai trop avancé d'un coup, c'est terrible, je suis désolé. Bon, on va faire cet avant-camp là et on va save. Et l'autre qui parle en même temps, c'est terrible. Ah. Ah d'accord, donc vous me remettez carrément ici. Allez, on se retrouve directement devant le camp. On va se le faire. La magie de Noël, c'est aussi des vidéos qui durent un peu plus longtemps, bordel. Dick, tu me reçois ? Schizo, tu manques pas de cran de m'appeler comme ça. Te voilà enfin, mon pote. Écoute, il faut que tu saches que j'ai essayé de les en empêcher, je te jure. De tirer sur Iron Mike, je veux dire. Et je voulais pas que ça se finisse comme ça. Capitaine, le colonel veut vous voir immédiatement. Ouais, dites-lui que j'arrive tout de suite. Capitaine, on grimpe vite les échelons quand on trahit à tour de bras. Toutes ces conneries d'armée, c'est que du cinéma, tu le sais très bien. Mais faut que tu m'écoutes, mon pote.
Je suis pas ton pote, Schizo. Cette bonne guerre, je voulais juste que tu saches. Écoute, quand Cory t'a aidé à t'évader, le colonel, il a pété un câble. Il a cru qu'elle était complice. Il est devenu complètement cinglé. Il s'en est pris au lieutenant Whittaker. Il allait la tuer. Dick ! Dick ! Ouais, je t'écoute. Mais je l'en ai empêché, Dick. Je te jure. Je lui ai dit que le poison qu'elle fabrique, il peut servir à buter les mutants. Mais pas seulement. Je lui ai dit qu'il y avait peut-être un camp ennemi avec une seule arrivée d'eau. Et que si on foutait de la ciguë dedans, ça pourrait régler pas mal de problèmes. Bref, le colonel, il a aimé mon idée. Donc, il m'a mis en charge de l'arche. Il veut que j'en assure la sécurité. Et Whittaker est sous mes ordres maintenant, Dick. Qu'est-ce que tu veux, Schizo ? Je veux juste te prévenir, mon pote. Ils arrivent. Je peux rien faire pour l'éviter. Ils arrivent, et cette fois, le colonel amène toute la cavalerie. Bien. Qu'ils viennent. On n'a pas l'intention de bouger. Et cette fois, quand il se pointera, on sera prêt à le recevoir. Hé, hey, Dick. Capitaine, le colonel attend. Ouais, j'arrive. Foutez-moi le camp. Hé, hey, Dick. Écoute, faut que j'y aille. Mais je dirai au lieutenant Whittaker que tu lui passes le bonjour. Capitaine Sarkozy, terminé. Oh, cette maîtrise. Excusez-moi. Cette maîtrise. Allez, les gars. Bon. Ah, la conversation était longue, hein. Heureusement qu'on s'est arrêté. Il doit renoncer. Alors, hop. Bah voilà, il a évité la mort à peu près 8 fois. Ok, ça commence déjà à se barrer. Alors attends, donc. Ok. Beau ça, ça tue les 3. Attends. Avant de me libérer. Voilà. La magie de Noël, c'est de bien terminer cette putain de vidéo dans le feu de l'action, bordel. Attends, quelqu'un a mis une smoke ou c'est moi? Ok, let's go. Si on parleur ici, ça fait plaisir. C'est déjà fini? Non. Attendez, quand même. Aïe! Oh, mais ça, c'est traite, ça. Ok. Oh, toi, mon pote. Toi, mon pote, t'y échapperas pas. Très bien. Donc, je suppose que, déjà, il y a des haut-parleurs partout. Et ben, vous savez quoi? On va se faire un beau cadeau. On va se faire un très beau cadeau. On va démonter tous les haut-parleurs. Et on va se faire cet endroit, tout simplement. Et je pense que pour clôturer cette vidéo, cet épisode, il n'y a rien de mieux. Donc c'est parti, et vous inquiétez pas, vous aurez la suite très bientôt. Parole de président, hein, évidemment. Allez, on se retrouve dès que j'ai trouvé comment ouvrir ce bordel. C'est parti, on alimente le générateur, on remet le courant là-dedans, et voilà. On va pouvoir augmenter soit sa vie, soit sa jauge d'endurance, et je pense qu'on va attaquer la jauge d'endurance, ça me paraît pas mal. Allez, appuie-moi sur ce gros bouton. Voilà. Ah bah d'accord. Bah c'est voilà. Pas grave les gars, je m'y connais en réparation, aucun souci. Deux petits coups de clé à molette. Voilà. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Mais non. Ok, ça va rameuter totalement tous les mutants à la ronde. Quoi? Ça veut pas s'ouvrir. Oh mais c'est pas vrai. Foutez de ma gueule. Ça s'ouvre pas. Ah oui. C'est quoi ce délire? Peut-être celui-ci? C'est verrouillé. Non, mais, les gars! Non, je me suis fait voler. Eh, on se casse. Je t'ai eu. Je me suis totalement fait voler. Pas grave, on a l'habitude. C'est incroyable. Mais c'est quoi ce vol? C'est ça la magie de Noël, les gars? Allez, raccourci. Pas du tout. Oh putain. Ah, il m'a fait tellement peur. Ah d'accord.
D'accord. Okay, c'est un mec très très strong. Il est mort. Hein. Ça dégage. C'était un coureur. Ok. Eh bien, on y va. Allez, c'est pas grave. Je me suis fait voler. De toute façon, on a l'habitude ici, n'est-ce pas? On a l'habitude ici. Je sais pas pourquoi. C'est chiant. Allez, dégagez. Dégagez, dégagez. Je vais prendre mon objectif. Attendez, hop, petit raccourci. Voilà, ça m'a saoulé. Hein. Bon, eh bien, écoutez. Nous sommes bientôt arrivés. On va s'arrêter là. J'espère, encore une fois, que vous avez passé un bon Noël. N'hésitez pas à dire en commentaire un petit peu ce que vous avez eu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin aussi des autres, de vos proches. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Ça fait évidemment toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Eh ben, prochain épisode, on est dans une merde pas possible. On va se calmer très rapidement. Hein? À très bientôt, n'est-ce pas? Oh, c'est ça l'enfer. Allez, shoot tout le monde. Oui, oui, je fais tout en reculant. Parce que c'est ça aussi la magie de Noël, savoir reculer. Oh la vache.